Salut et bienvenue. Comme vous voyez sur cette machine, c'est une machine qui transforme le mangue en jus de mangue. Alors, ici, en Afrique, nous avons plusieurs machines, plusieurs fruits de mangue qui ne sont pas vraiment très très bien utilisés parce que nous voyons la plupart de ces fruits finissent par pourrir. Alors, sur cette vidéo, nous allons vous apprendre comment vous pouvez transformer ces fruits en jus. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter. Nous allons commencer cette vidéo en vous demandant de vous abonner. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, nous publions nos vidéos 3 fois par semaine. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Nous publions nos vidéos lundi, mercredi et vendredi. Et c'est la seule chaîne dont vous allez trouver des vidéos sur les idées de business à lancer en Afrique et sur la transformation de notre matière première. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons vous parler de la transformation de mangue en jus de mangue. En Afrique, nous avons beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits de mangue et de manguiers. Alors ici, nous voyons que ces mangues tombent et ça pourrisse. Et il y a d'autres qui sont ici utilisés par des gens que nous voyons, que les gens vendent au marché. Mais nous voulons prendre l'opportunité que nous avons en Afrique de voir les manguiers hein, donc, partout, dans toutes les parcelles, mais que nous n'arrivons pas à transformer. Alors nous allons prendre cette opportunité en transformant les mangues en jus de mangue. Alors ici, nous allons vous montrer les machines qui pourront vous aider à transformer ces mangues en jus de mangue et les mettre dans des emballages. Alors ici, nous allons vous montrer aussi de sortes d'emballages dont vous pouvez mettre, utiliser pour vos mangues. Ici, ça peut être des emballages en carton ou bien en plastique. Alors ici, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin parce que nous allons vous montrer toutes ces machines-là, comme d'habitude, nous allons vous montrer les prix et vous donner des orientations. Alors, je ne vais pas stopper cette vidéo en disant que si vous avez besoin d'une orientation, consultation, formation, nous avons basé notre consultation à 300 $. Tu devais payer des machines et savoir comment installer ces machines et comment vraiment te faire des profits avec ces business de transformation de mangue en jus. Alors, contactez-nous sur nos inbox. Alors, va sur la barre de description, tu verras notre WhatsApp, notre email. Tu peux nous contacter par là. Nous allons vraiment être ravis de vous répondre. Et aussi, vous pouvez laisser des commentaires car nous voulons voir vos produits sur les échelles comme ça, dans des boutiques qui vont vraiment vous rendre de bénéfices. Première machine, c'est cette machine que vous voyez. C'est la machine qui transforme les mangues en jus. Comme vous voyez, ce sont des mangues qui sont en train d'être mises à l'intérieur de cette machine. Et de l'autre côté, c'est la peau des mangues et les noyaux qui sortent. Et de l'autre côté, ça sera les jus. Et ça, c'est juste pour une démonstration. Donc, quand vous allez les faire dans votre, vous allez les installer dans votre usine, vous devez les faire d'une façon très propre et hygiénique, très bien installée. Mais ici, c'était pendant une période de testage de la machine. Nous sommes en train de mettre les mangues à l'intérieur car c'est un client qui avait payé cette machine et il voulait voir comment la machine fonctionnait. Donc, cette machine comprend la partie d'au-dessus dont tu mettras les mangues un peu déjà mûres. Et de l'autre côté, la machine va séparer les jus, va presser les jus de mangue et va aussi jeter les noyaux et la peau des mangues. Et de l'autre côté, ici, vous voyez, ça, ce sont les jus à 100% mangue. Vraiment. Pourquoi pas faire ça en Afrique? Alors, nous allons vous montrer les prix de ces machines. Ça dépend de la qualité de la quantité. Ah non, pardon, de la qualité de la machine et de la grandeur de la machine. Alors, nous avons toutes sortes de prix. Ici, cette machine coûte aux environ 1 250 $. Cette machine, tu peux les trouver à 1 250 $. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et laisse-nous des commentaires et aime surtout cette vidéo. Alors, nous avons aussi une grande usine que vous voyez par là. Et cette machine peut coûter aux environ 6 900 $. Alors, cette machine va venir avec l'unité de fabrication de plastique pour mettre vos jus. Alors, vers la fin, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre vos jus dans les emballages et bien étiqueter. Alors, cette machine-là coûtera 6 950 $. C'est la première machine que vous avez vue sur la vidéo. Alors ici, cette petite machine ici peut coûter aux environ 1 200 $.
et vous pouvez vraiment déjà commencer votre entreprise avec cette petite machine. Où trouver ces machines-là? Ces machines sont trouvées partout, en Inde, en Chine, à Dubaï, aux États-Unis, même en Afrique. Mais vous avez besoin d'une orientation de quelqu'un qui s'y connaît dans ces machines, qui va vous donner un bon fournisseur. Alors, investir chez Noëlla, nous pouvons vous orienter. Nous avons dit, pour prendre une consultation avec nous, c'est 300$. Nous allons vous former sur comment trouver les bons fournisseurs. Nous avons déjà des fournisseurs qui peuvent vous vendre ces machines de transformation et l'amener jusqu'en Afrique. Donc, sans problème. Alors, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Si vous avez déjà mis à part un budget pour vous lancer dans ce genre de ces business, dans la transformation des jus de mangue, donc c'est vraiment un très bon business. Il y a beaucoup de sortes sortes d'emballages dont vous pouvez faire pour vraiment attirer des clients. Alors, donc, la vidéo qui va suivre va vous montrer les emballages que vous pouvez faire pour l'attraction de clients sur ces genres de ces business. Alors, comme vous voyez, ces machines-là peuvent coûter de 1 250$ à 15 000$. Ça dépend de la quantité, de la grandeur de la machine. Comme je disais, cette petite machine coûte 2 250$ et elle transforme aussi les mangues en jus. Et ces mangues ici peuvent être mixées avec un peu de mixage de l'eau et du sucre, ou vous pouvez juste faire les mangues à 100% naturel, jus naturel mangue. Vraiment, ça dépendra de votre technique et ça dépend surtout de votre budget. Pour ces petites machines, vous n'avez pas besoin. Pour une grande usine de 30 000$, vous avez besoin d'une usine, construire une usine, un bâtiment. Mais pour des petites machines comme ça, 1 500$, juste derrière la maison, vous pouvez déjà commencer. Et dès que vous avez plein de clients, vous pouvez maintenant penser à construire une usine. Alors, la deuxième partie, c'est comment vous pouvez emballer vos produits. Cette machine, c'est une machine qui fabrique les bouteilles. Ça vient, donc ça fabrique de bouteilles. Donc, fabriquer, c'est trop dire, mais ça souffle des bouteilles, donc des préformes. Vous allez payer des préformes. Avec ces préformes-là, vous allez mettre dans cette machine qui va souffler les bouteilles et qui va souffler les préformes pour les mettre sous forme de bouteilles. Et vous allez prendre ces bouteilles, les nettoyer et par après, mettre les jus et mettre les étiquettes. Très, très facile à faire. Ou si vous n'avez pas de l'argent pour payer cette machine qui essouffle les préformes, ce que vous devez faire, vous devez premièrement acheter les bouteilles déjà essoufflées. Il y a beaucoup d'endroits en Afrique. Par exemple, je donne l'exemple de ma capitale à Kinshasa. Il y a des compagnies comme Plastica. Si vous avez besoin de noms de compagnies qui peuvent vous vendre des bouteilles en plastique, mais je sais qu'il y en a beaucoup de compagnies qui peuvent vendre des bouteilles en plastique. Donc, dans un premier temps, si vous n'avez pas beaucoup de capitaux pour acheter cette machine qui fabrique des bouteilles en plastique, vous pouvez payer des bouteilles en plastique ou bien des bouteilles même en verre auprès d'usines ou bien de magasins qui fabriquent, qui vendent des plastiques ou des verres. Et vous allez juste passer à l'étiquetage. Donc, l'étiquetage aussi facile peut être fait par ces sites www.canva. Vous allez aller là-bas et vous allez voir comment vous pouvez faire les étiquetages faciles. C'est vraiment très facile. Alors, sur ma formation ou bien ma consultation, je vais vous montrer toutes ces stratégies, même comment faire les étiquetages, comment avoir les bouteilles, comment acheter les machines. Tout cela sera inclus dans la formation. Alors, nous allons vous montrer une autre deuxième façon d'emballage de jus ou bien d'emballage de jus de mangue. C'est avec les bouteilles en carton. C'est vraiment à la mode ces derniers temps. Ici encore, vous allez acheter cette machine que vous voyez. Cette machine-là, c'est une machine qui aide à remplir les jus dans des cartons. Et cette machine, ces cartons viendront déjà avec les étiquettes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une commande de carton, de boîte de carton, avec votre logo, votre nom, le nom de la compagnie et tout, l'adresse, le numéro de téléphone, donc tout ce que vous voulez avoir sur la boîte, comme vous voyez sur cette vidéo. Moi, Investir chez nous, je vais vous aider à trouver ces fournisseurs qui vont commencer à vous fournir avec ces boîtes d'emballage pour remettre les jus. Et vous allez avoir cette machine qui va vous aider aussi à emballer les jus. Alors, dans un premier temps, vous pouvez commencer à les mettre manuellement, donc dans des boîtes, et avoir les étiquettes pour bien
revendre votre produit. Et par après, quand vous aurez beaucoup de clients, vous pouvez maintenant acheter une grande machine qui va commencer à faire l'emballage automatique ici. Vous allez d'abord commencer avec les semi-automatiques manuels. Par après, quand vous avez trouvé des clients, vous pouvez maintenant passer à une grande production. Alors, comment se faire des clients? Ici, l'objectif est de ne pas vendre en détail, de vendre en gros. Donc, trouvez-vous des magasins, des supermarchés. Allez-y dans des restaurants, dans des bars. Faites la promotion de votre produit, des jus d'orange, des jus de mangue, pardon. Et juste pour souligner que ces machines que vous voyez là, ça peut aussi faire les jus d'orange, les jus de mangue, les jus d'autres fruits. Mais c'est juste, vous allez devoir bien séparer d'autres parties pour ne pas mixer les goûts. Alors, ce que je disais, c'est que ici, trouvez-vous des clients, clientèle en allant sur place. Faites la promotion de vos produits, restaurants, bars, alimentation, supermarché. Commencez à livrer en gros des cartons, livrez là-bas et faites des promotions pour que vous puissiez trouver des clients dans un premier temps. Donc, réduisez les prix et par après, vous allez hausser les prix après. Alors, c'est comme ça que vous allez faire des clientèles. Vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Ces procès-là, je vous demanderai de prendre une formation avec Investir chez nous. On vous montrera toutes les étapes aussi, inclus les marketing. Le marketing sera aussi inclus sur notre formation. Alors, cette vidéo va vraiment servir beaucoup de gens en Afrique à prendre ces fruits-là, les mangues qui sont en train d'être jetés et pourris, vraiment, et à les transformer à un produit qui sera vraiment utile pour la société et commencer à les revendre pour se faire des bons bénéfices. Alors, c'est pour cela que je te demandais, toi qui viens de regarder cette vidéo, partage cette vidéo avec tes amis, dans tes réseaux sociaux et vraiment, aime cette vidéo et laisse-nous un bon commentaire. Alors, si tu as des questions, écris-nous sur les commentaires, nous pouvons répondre. Et regardez sur cette vidéo, sur cette chaîne, nous avons plus de 500 vidéos qui parlent de business sur la transformation des matières premières en Afrique. Donc, nulle part ailleurs, seulement sur Investir chez nous. Alors, regardez nos vidéos, nous sommes vraiment ravis de vous avoir comme abonnés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage cette vidéo massivement. Merci.